aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette, le canard au pamplemousse. Alors, il vous faut bien sûr une cocotte, hein, avec un canard qui cuit à l'intérieur. Ta gueule. Et évidemment, un pamplemousse. Alors, évidemment, vous laissez cuire pendant, on va dire... Merde, ma clope. Pendant 3-4 jours maximum, thermostat 7500-8002, maximum. Alors ensuite, bien sûr, vous épluchez votre pamplemousse, hein, putain, je sais jamais comment ça marche, ce truc de merde. Vous l'épluchez, et vous remuez pendant 4, 5, 10 heures maximum. Ensuite, opération très délicate, hein, puisqu'il faudra il faut le mettre au four. Oui, en ce qui concerne la cuisson avec le four, hein, vous mettez thermostat 80 000 maximum et vous laissez 8 jours, mais grand maximum, hein, voilà. Alors, 2-3 semaines après, vous sortez votre canard donc du four, mais mort. Non, pas le four, le canard. Hein. Voilà, quand vous avez sorti donc votre canard du phare, ou canard du four, et ben, il vous reste plus qu'à le servir. Ça fait peut-être un peu léger pour 4. Hein. Puis alors, il n'y a pas de jus. Hein. Bon, en tout cas, il est bien mort. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous expliquerai comment faire un bon hachis par moitié. Hein ? Non, pas moitié, entier. Hachis par entier. On va pas lésiner. Allons-y, carrément, là, entier.